Bonjour YouTube et bienvenue pour ce 26e épisode de Monster Hunter World avec une grosse nouveauté pour cet épisode. Et oui, enfin, elle est là, la gestion du 21e. On dit merci aux modeurs des forums Steam qui ont travaillé jour et nuit pour nous offrir cette feature qu'on aurait dû avoir à la sortie, bien sûr. Alors, tout n'est pas parfait encore. On voit que le HUD est dévié sur la gauche au lieu d'être centré. Bon, ça va être réglé dans les jours qui viennent, puisque le spécial cas de Kaldayen permet d'agir sur le HUD. Donc, ils vont pouvoir sortir une version couplée au spécial cas qui va permettre de mettre le HUD absolument comme on veut. Moi, je n'utiliserai pas parce que je peux pas record avec le spécial cas, malheureusement, mais moi ça me gêne pas. Le HUD, il est comme ça, je m'en fous. C'est pas le plus important, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, bon, on est content. Savoir que le patch est dispo depuis le 15, donc ça fait 2 jours, ouais. 2 jours qu'il est dispo, mais j'ai pas joué depuis 2 jours, donc voilà. Il y a eu plusieurs versions, là c'est la version avec juste un patch à appliquer à l'écran titre. Et voilà, et ça me suffit, ça suffit largement à mon bonheur. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devait faire? Ah, je sais plus, Michel. Allons, on va voir ça. Alors, ça on avait tout fait. Il nous reste Chameau Sabos là. Ah oui, on a tout fait, même les machins là. Ouais. On a le Chameau Sabos à faire encore. Écoute, on va faire ça. Vas-y, con 12, on sait rien, oui. Hop. Qu'on aille découvrir un peu le monde là. Hop. Ah putain, c'est stylé hein. Les environnements, ça va vraiment être la folie là. Ah, évidemment les perfs prennent un peu cher, mais bon. Ah, c'est là qu'on voit que l'optimisation du jeu, c'est vraiment... au pif. Comment c'est foutu ce merdier là? C'est quoi ça? Des pièges à lianes de Grimaldine, ouais. Vas-y, je vais aller par là, c'est quoi ça? On va aller par là. Ok. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas, oui Michel. On te fait confiance, on peut que monter. Il faudra penser à abattre 11 chameaux. Ok. Ah d'accord, il me demande de descendre maintenant. Putain, tu fous vraiment de ma gueule. Ok, il faut descendre là. Ouais. Il n'y a pas des coquillages et des conneries, mais j'ai le souvenir qu'il faut que je prenne des coquillages et ce genre de choses. On peut pas aller par là. Hein. Non, on peut pas. Ça c'est quoi des pierres? J'en ai rien à foutre, Michel. M'en fous complète ton histoire. Oula, on va se mettre dans l'ambiance là. Qu'est-ce que c'est que ces merdés? Ah, il est stylé le jeu en 29ème quand même. Hein. C'est pas le même DMU. C'est mieux. Hein. Ok. Et merde.
Ah bah c'est un foudre en sel, vas-y prends-le, on s'en fout. Et une tyrolienne juste là. Ok. Ouais, ça m'intéresse pas trop de passer par là. Bon. Ouais. Ouais, bon. Y a rien là, je vais retourner au camp parce que les. Je crois que les chameaux ils sont plus bas donc. Et du coup j'ai même pas pris de bouffe en plus. Oh là j'ai complètement oublié comment on joue au jeu, là c'est une catastrophe. Bon, ouais, bon, bon. On s'en fout, Michel. Non, c'est pas ça des chameaux, ça. Jamaltine qui propose de nous aider. Il est vraiment stylé le début, Michel. Là, les chameaux sont plus bas, je crois. Oh là là, ouais. Ah, c'est mieux. Hein. Évidemment que c'est mieux, bien sûr que c'est mieux. Non, normalement ils sont dans ce coin là les putains de chevaux aussi. Elle me disait bien qu'il y aurait un chameau. Oh, on n'est pas bien réveillé là, Michel. Ok, il me reste 4, 5 à buter. Ah, il y en a bien 5 qui vont se repointer dans ce coin-là quand même, si, non? Bah ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ah, on peut encore les looter eux, vas-y. Ok, toi.
Ils veulent pas popper. Excuse-moi YouTube. Me revoilà. Donc. Alors, qu'est-ce que je faisais? Oui, les chameaux. Ah bah voilà, des chameaux. Bonjour. Hop, ça c'est fait. Michel, espèce de petit bâtard. Ok, bon bah voilà. Ah, t'es pas mort toi. Retourne-moi à cette heure. Retournons à Stera, c'est le plus sûr. On a récupéré des trucs, c'est bien. On a gagné de la dinde royale, formidable. Ok, bon. Allons voir ces gens-là, là. Le bateau qui surplombe Astera était celui de la première flotte. Ils ont décidé de le laisser là-haut après leur naufrage, on connaît. Ok, alors on a complété ça, parfait. Ah. Nouvelle requête spéciale. Ah bah vas-y, on va la prendre ça. Voilà. Quatre Legiana et 3 Ziziyaku, très bien. Ah, je pense qu'il y a une quête principale pour le Legiana, on attendra ce moment-là. Vas-y, grand monstre. Voilà. Très bien. Il faut que je retourne voir. Je vais retourner voir tous les mecs. Là, bonjour. Et bonjour à toi, Michel. D'après mes recherches, on s'en fout. T'as rien à dire. Salut. Voilà, t'as réalisé un travail exceptionnel sur les Jamalkines. Tu as toute ma gratitude. Chaque région abrite une tribu précise. Je suis sûr que l'envie te démange d'en savoir plus. Oui, tout à fait. Oh. Non. Ouais, c'est lui qu'il faut aller voir. Là. Oui, oui, oui. Vas-y, fais-moi voir ce que t'as. Ok. Qu'est-ce qu'on peut cultiver désormais? Des champis. Ouais. Des graines de force, fais des graines de force, ouais ouais tout à fait. J'en veux de ça. Et en vrai.
Voilà. C'est parfait. Écoute, on va parler au capitaine de la troisième flotte. On va faire avancer un peu le scénar parce qu'on traînaille un peu. Faut quand même l'avouer. Tu ferais bien de te préparer avant de te rendre dans le Val Putride. Je suis setup, j'en ai rien à foutre. Par contre, on va quitter la région, peut-être changer d'arme, on verra ça arriver. Arriver sur place, alors voyons voir. C'est le moment. Prête à descendre dans le Val Putride ? Oui, Michel. Très bien. D'abord, il nous faut trouver un endroit où atterrir. Une fois qu'on l'aura trouvé, vous pourrez débarquer et commencer à installer un camp. L'objectif sera ensuite le même que d'habitude, retrouver la trace du Zora Mogdaros. Écoute-moi bien, vous deux, écoutez-moi bien. Vous deux, une fois en bas, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Quelle est la véritable nature du Val Putride et quel est le lien qui le relie au plateau de corail? Allez, on y va. Ah, c'est pas trop tôt, Michel. Oh putain, t'es stylé, toi. Putain, un grand gyro, voilà, c'est un kebab, Michel. L'installation du camp. Un gros grec, bah ben oui, bien sûr qu'on le veut, bien Attends. Sûr. C'est où à manger? Manger. Fais-moi un grec. Pas être gyros là. C'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que t'as à me filer? Que dalle. Ok, c'est sympa. Ok. On va changer d'arme, on va prendre nos rapières là. Mon avis, il fait de. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais mon avis, il va être. Oh là, c'est quoi ça? Est-ce un bug graphique? Un bug graphique, putain, on va y arriver. Mais t'es rapide, la justice, tout à fait. Ah non, d'accord, oui, c'est juste le... Très bien. C'est très joli. Hein. Ok, on est plein de balles. Ouais, bah, on est parti. On est parti, Michel. Repérer un grand gyros. On a le grand gyros sur le... Non, on a rien du tout. Oh, là, fais voir. On est là, ok, on peut partir là. C'est quoi ça?
Il y a une croix là, écoute, on va voir. Oh putain. Ah bah c'est un endroit dégueulasse, ah oui. Il s'appelle Valputride. Attention au miasme. Des trous suspects. Ok. Il y a une plante là, je sais pas. C'est quoi ces merdiers là là? Ah, des cancrelats de leur mort là, des gros simites ou des gros cafards. Ah ça... Ah ça décède ça. On veut les tuer, on s'en a rien à foutre. Ça ressemble vraiment à une arène de boss ça. Ok. Trace étrange. De l'herbe. On peut repartir par là, là. On est à zone 3, donc j'ai envie d'aller à la zone 2. Pourquoi il y a des grimaltines là-bas, là? On n'est jamais trop accompagné avec les grimaltines. C'est par là qu'il faut aller. Il y a ça aussi ici. Il y a un champignon bleu là. Ils sont de l'autre côté là. Et bonjour les Michel, mais bien sûr. Venez, venez. Ok. Bon, alors, allons par là, hein. De toute façon, faut bien explorer, donc explorons. Là, y'a rien. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est vivant ou c'est mort, ça? C'est le miasme? Attention de ne pas y toucher. Ah bah, le cadavre de Légiana, je le prends, moi, Michel. Ah putain les bâtards. Cet endroit est rempli d'une horrible vapeur. Ne la respire pas, tu vas perdre de la vie. Venez là là. C'est quoi ce merdier là? Ils sont barrés. Bon, laisse-moi looter le cadavre de Légiana tranquillement. Espèce de saloperie de tes morts, Raffinos. Fort bien. Ok, on peut passer par le haut. Putain, c'est solide ces merdes. Très bien.
Vas-y, j'y vais, moi. Merde. Ouais, ça continue en bas, là. Ouais, j'aime bien les zones avec le poison. Je sais que ça, les joueurs sont souvent saoulés par ça, mais... moi, j'aime bien. Putain, c'est quoi ce merdier, là? C'est des gyros, mais dégueulasse, quoi. C'est des gyros qui vivent dans la merde. Putain. Michel, tu veux bien me donner une vite à Yep, là? Voilà. Merci, Michel. Hop là. Ouais. À partir du moment où ça fait juste baisser ta santé. Vas-y, on fume, on a rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre. Et voilà. Tiens. Il est vraiment stylé. Hein. Complètement fait des rapières, moi, bordel. Oh la putain, ma vie, Michel. Il a fumé trop tard pour merder. Ah, j'apprends cher. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Ah, il était vraiment easy aussi, lui. Easy, puis... putain, elle est magnifique, cette zone aussi. Hein. Ah, le genre 21-9e, Michel, il a vraiment une gueule de ouf. Hein. Ah, mais franchement... pourquoi ils l'ont pas fait nativement? Ces abrutis de Capcom. Il a looté un truc... il a looté un truc, hein. Ok. C'est où, c'est là-bas? Drop. Ah, ok. D'accord. Ok, bon. Hein. Et il faut explorer le Valputrid, ce qu'on va faire avec plaisir. Alors on est là.
Vas-y, descendons par là. Ah, il y a un truc là qu'on connaît pas. Un fruit infect. Eh ben, tout un programme, Michel. Ok. Il y en a d'autres là, là. Et là, on n'est plus dans le miasme. Ok. Un fléau du diable. Ah, il est stylé, le Gemur. On l'aime bien, le Gemur, malgré tout. Hein. Ok, alors on est où là? On est là. Il y a une croix là. J'irais bien donc là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, des connards. Bonjour les connards. Quoi ça, quelque chose de viande, j'en ai rien à foutre. Donne-moi du kebab. Les monstres sont quand même tous hyper réussis quand même. Vraiment. C'est vraiment bien. Oh, tu te barres, hein. Je vais pas te courir après. Hein. Casse-toi. Ouais, il y a l'air d'avoir un truc particulier là-bas. Ah, on peut pas aller, c'est ça? Ok, on peut pas aller par là. D'accord. Ok. C'est emmerdant, c'est Michel. Bon, on va remonter, hein. C'est quoi ça? Toile d'araignée, je prends les. Ah non, bah, je l'ai, oui, je l'ai aussi. Attends, voilà, toi. Non, c'est pas ça que je veux, c'est toi que je veux, voilà. Un minerai, c'est où? Juste là. Parfait, il y en a un autre. Hein. Là-bas. Cristal de lumière, monsieur. Eh ben, écoute. T'es pas mort? Si, non, t'es mort. Oh, je vais pas tous me les faire à chaque fois quand même. Putain, j'en ai rien à foutre de ta gueule, toi. On se casse. Oh, il y en a partout, mais. Je les emmerde, j'en ai rien à foutre. Ok, on est obligé d'aller à droite. Ah. Il y a des trucs au-dessus là.
veut aller où nous? On veut aller bah par là, là. Donc emmène-nous là, s'il te plaît. Non, on veut aller là. Ok. La mer insecte, j'en ai rien à foutre. Et on va aller par là, c'est ça. Tout à fait. Ouais, parce que par là, on connaît pas. Ouais, il y a une autre bête dans le coin, a priori. Moi je les loot, hein, j'en ai rien à foutre. Le linge, je peux pas le prendre. Ok. On est là. Hein. Ouais, d'accord, c'est juste un. Bah, du coup, on va aller par là. On peut monter. Hein. D'ailleurs il fout. Oh putain c'est quoi ça? C'est un deuxième gros? Ah bah vas-y on se fume. Il y en a pour tout le monde Michel hein. David. C'est barré Michel? Ah non, voilà, d'accord, j'ai eu peur, Michel. J'ai cru que t'avais pas de coups. Et voilà.
direct deux fois. On va fumer tes potes aussi parce que... Mais vous êtes combien, bordel? Ah, vous commencez à m'emmerder. Vous êtes combien, bordel? Sans déconner. Ah, je m'en fous. Hop. T'es vraiment en train de m'emmerder, toi. Michel. C'est bon, continue. Ah, tu m'emmerdes. Ils sont pénibles, hein. Ok, c'est bon, on a tout pris. Après, on a trouvé un capuchon également. Tiens, là. Décapite les gyros, là. Ouais, non, j'en ai plein le cul, Michel. Je m'en fous, je me casse. On se casse, on en a plein le cul de vos gueules. Ah. Est-ce qu'on retournerait pas au camp là pour la fin de l'épisode? Parce que je pense pas qu'on arrive à la fin de ce qui est attendu de nous rapidement là. Là on arrive où on était. Voilà, est-ce qu'on n'a pas là où on n'a pas été voir, c'est ce côté là. On va retourner au camp et puis on ira se promener dans la deuxième partie du niveau lors du prochain épisode. En tout cas c'est cool, on est content de revenir sur Monster Hunter et on est surtout content d'y jouer enfin en 21e. C'est vraiment trop stylé et c'est bien. Voilà, salut les gens.